à Los Angeles pour préparer Follamanda, que j'allais jouer là-bas en anglais. Et je suis invitée par Elisabeth au premier gala pour la recherche contre le sida. Et là, on a découvert que toute la communauté hollywoodienne était derrière Elisabeth. Et Elisabeth, elle m'a dit, tu devras faire la même chose en France. Et c'est comme ça que j'ai commencé en octobre 1985 à créer l'Association des artistes contre le sida. Et 35 ans après, j'y suis encore. Et puis, vous avez soulevé des montagnes, vous avez fédéré des énergies autour de vous, et vous avez convaincu, eh bien, Pascal Obispo, qui était là tout à l'heure. Pascal a fait énormément. Il a créé l'hymne de SIDAction, c'est sa raison d'être, sur lequel naturellement vous apparaissez. Et cette année, on a fêté les 20 ans de, je ne sais pas si on peut dire fêter, parce que c'est vrai qu'on aimerait ne pas avoir à fêter cette... mais voilà, c'est les 20 ans de cette chanson. Et ça a été l'occasion pour Pascal Obispo de lui offrir un coup de jeune. Et parmi la quarantaine d'artistes qui ont participé cette année, il y en a un qui a voulu venir vous offrir une relecture de cette chanson. C'est un garçon que vous adorez, et je vous demande de l'accueillir maintenant. C'est Slimane. Il reprend à sa façon sa raison d'être. Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu de tant de combats et a tellement tendu son cœur là où d'autres trompaient. Les bras, elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent des soirs. On fait des choses parce qu'elles s'imposent, sans se demander pourquoi. C'est peut-être une goutte dans la mer. C'est peut-être dans le désert. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oh, elle en a brisé des silences, poussé des cris contre les murs, avec pour écho l'indifférence et des rancunes encore plus dures. Car aujourd'hui, si l'existence ici ne se limite qu'à la survie, il faut savoir qu'une aile de papillon peut tout changer pour de bon. Dans la mer, l'île, c'est peut-être une goutte dans le désert. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Slimane, mesdames et messieurs, merci Slimane, venez nous rejoindre. Bonsoir. Vous faites partie de cette génération qui malheureusement n'a pas connu le monde sans sida. Cette chanson représente beaucoup, évidemment, et le combat de Lynn, j'imagine, inspire tous les jeunes artistes. Oui, bien sûr, ça représente beaucoup. Moi, j'ai grandi avec ça. On en a parlé dès la primaire et on en parle aujourd'hui autour d'un verre. Et on connaît plus l'amour.
l'amour sans tout ça finalement. Et c'est vrai que Lynn, pour moi, elle a toujours été le symbole de ceux qui lâchent pas et de ceux qui se battent, de ceux qui en parlent. Et on doit en continuer d'en parler, on doit continuer de se battre. Et je crois que c'est aussi à nous, les jeunes, entre guillemets, de prendre ce flambeau-là et de ne pas avoir peur, de continuer d'en parler et que ce soit pas un tabou. On a l'impression que ça ne l'est plus, mais je crois que ça l'est encore. Et c'est pour ça que je suis très ému, très fier d'être devant cette grande dame.